Je vais tout d'abord remercier Latitude 91 d'avoir accepté de mettre en lumière notre association. Une association qui est née en 1998 de la volonté d'une dizaine de femmes d'aider d'autres femmes comme elles à créer leur propre emploi, d'où le nom de coup de pouce. En l'occurrence, à l'époque, il s'agissait d'une personne qui avait des dons de couture. Et donc, toutes les dames, là, la dizaine de dames, s'est cotisée à l'époque, c'était autant du franc, 2000 francs chacune, pour pouvoir acheter les machines à coudre pour permettre à cette personne de pouvoir faire des retouches, de la couture sur mesure. Ensuite, on a le côté chantier d'insertion qui est né en 2003. Et la naissance de ce chantier d'insertion, c'est Melouda qui l'a porté. Melouda qui est dans la structure depuis 2001. Alors, le chantier d'insertion a été mis en place sur Évry parce que c'était une volonté de... À l'époque, c'était Relais Formation Emploi, hein, Dynamique Emploi, parce qu'il y avait beaucoup de chantiers dans notre secteur, mais très peu de chantiers qui avaient des femmes, qui était destiné aux femmes, enfin au métier femme, parce que bon, la couture, c'est pas un métier femme. Et comme nous, on avait déjà un support technique couture, donc on nous avait demandé si ça nous intéressait de mettre en place ce chantier. J'aime beaucoup travailler ici parce que on a une bonne ambiance. Nous travaillons ici comme la famille. Tout le monde, c'est très gentil. J'aime bien beaucoup ici, travailler ici beaucoup. En même temps, j'ai fait la formation de cours de français. Je prépare pour l'examen de B1. Je suis en train de faire la formation. Dans cette association, ce qui est intéressant, c'est qu'ils accompagnent vraiment tous les salariés dans leurs projets, parce que c'est pas tout le monde qui veut forcément poursuivre dans le chemin de la mode. Donc moi, mon projet, c'était vraiment d'être fabricante de vêtements sur mesure pour les tailleurs, et etc. Et du coup, ils m'ont accompagnée sur mon projet en m'envoyant dans une école de mode. En entamant plusieurs modules qui m'a permis d'acquérir des connaissances sur toutes sortes de coutures, comment poser des poches, savoir monter des manches, etc. Le but du chantier d'insertion, c'est pas de faire des couturiers ou des couturières. Non. La couture est simplement un outil qui permet aux personnes de savoir arriver à l'heure, de savoir respecter les consignes qu'on leur donne, comme il y a beaucoup de femmes, de réfléchir au mode de garde, de savoir anticiper les problèmes, se diriger dans l'espace. Voilà, c'est toutes ces petites choses, le savoir-être, le savoir-faire qu'on leur apprend au sein de la structure. Et quand elles sortent de la structure au bout de 24 mois, il y a un suivi qui est fait 6 mois après, 1 an après, pour voir ce qu'elles deviennent. Et en général, elles arrivent toujours à s'insérer dans un emploi quelconque. Le troisième volet, c'est la socialisation. Alors, dans la socialisation, on reçoit également des personnes qui sont désocialisées, des personnes qui ont besoin d'échanger avec des autres. Donc souvent, on organise pas de manière régulière parce que ce n'est pas hiérarchisé dans le temps, n'est-ce pas? On organise des cafés couture, on appelle ça, où l'on peut débattre sur un thème, quel qu'il soit. On peut aborder tous les thèmes nécessaires. On a des intervenants qui peuvent venir aussi discuter autour d'un thème, où les personnes peuvent simplement venir se poser au sein de la structure, autour d'un café, autour d'un thé, des petits gâteaux, juste pour se poser, prendre du temps pour soi. Après avoir travaillé pendant des années dans des grandes entreprises et travaillé chez moi pendant 4 ans, je me suis retrouvée privée de présence. Je me suis retrouvée dans le chantier d'insertion pour me redonner goût, pour pouvoir travailler en équipe et être avec du monde. J'étais accompagnée par Melouda et dans le chantier d'insertion, juste chaque semaine, on avait des petites réunions personnelles pour pouvoir se remettre jusqu'au jour où je me sente mieux et j'ai pu travailler comme il faut pour me sentir mieux. Il y a à peu près 200 bénéficiaires qui sont passés chez nous et que sur ces 200 bénéficiaires, si la direction du travail nous renouvelle systématiquement nos conventions, c'est que nous arrivons quand même à avoir un taux de sortie positive de plus de 60-70%. Et c'est important. Ça veut dire qu'en fait, notre structure est très importante pour le territoire.